Hello mes gars, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, non. Donc aujourd'hui on va se retrouver dans une vidéo blabla. Oh, je vais pas réussir à encadrer. Voilà, dans une vidéo un peu blabla où je vais maquiller en même temps avec vous. Donc c'est pour ça que vous me voyez d'aussi près et pas jolie, mais bon. Bref. Donc j'ai déjà commencé par me nettoyer le visage avec mon eau de rose de chez Christian Lenard, pardon. Pour tout type de peau. Comme ceci, et après je me suis nettoyé le visage. Excusez-moi si je parle du nez, je suis malade. Et après, je me suis nettoyé le visage avec la lotion clarifiant de chez Clinique. Voilà, comme ceci, que je suis pas du tout fan, mais bon, ça, je vous ferai une vidéo à part. Donc, on va commencer aujourd'hui le make-up. Alors, c'est pas un tutoriel, c'est une vidéo blabla où je me maquille avec vous parce que j'ai deux trois choses à vous dire. Donc, voilà. Donc en tout premier, je vais mettre mon Tom Contouring de chez Benefit. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Oui, j'ai vu sous ma dernière vidéo, qui est la vidéo... Comment elle s'appelle? Mince. Bon, le make-up AliExpress. Donc j'ai vu qu'il vous avait beaucoup plu. Donc ça, j'en suis hyper... hyper ravi parce que voilà, ça fait plaisir de faire des vidéos qui vous plaît et pas des vidéos qui me plaît juste à moi. Donc je suis hyper ravi que ça vous plaise. J'ai eu des commentaires que j'ai supprimés en me disant que c'était honteux d'acheter du contrefaçon. Alors je vous l'ai expliqué dans la barre d'infos, malheureusement si vous n'êtes pas capable de lire la barre d'infos, je suis désolée pour vous. Mais moi ça ne me gêne pas dans le sens où j'avais envie de tester ces marques-là et que c'est pas quelque chose que je referais à chaque fois d'acheter la contrefaçon sur AliExpress, mais voilà, je voulais tester, je me suis fait mon propre avis et après c'est propre à chacun. Donc je continue, je vais m'appliquer la BB crème de chez Maybelline en teinte claire et c'est la 8 en 1 anti-imperfection. Avec mon Beauty Blender. Oui, donc ça après c'est mon souci à moi, on va dire. En regardant cette vidéo, je ne vous impose absolument pas de faire la même chose. Donc voilà. Donc comme ça c'est dit, au moins. Parce que bon, oui, je suis d'accord, il y en a qui sont que ça gêne la contrefaçon. Moi, j'ai envie de tester ces marques-là. Et j'avais pas forcément envie de mettre 45 € ou 50 € dans chaque palette. Sur moi, il y a 3, donc vous imaginez, ça ferait déjà 150 € pour 3 palettes. Alors que là, pour 3 palettes, si j'en ai pour 30 €, c'est bien tout, quoi. Donc c'est même pas un quart du prix d'une, alors... Donc bon, voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Oui, j'aimerais bien que vous me dites en commentaire les vidéos qui vous intéresseraient. Que je puisse savoir qu'est-ce qui vous plairait que je fasse comme vidéo. Alors les tutoriels, vous oubliez parce que déjà je suis nulle en make-up, vous allez le voir. Et de deux, j'ai pas une caméra ni une luminosité de fou, donc ça rendra rien, donc ça sert à rien. Les Get Ready With Me, je suis toute seule à filmer, alors c'est un petit peu compliqué d'en faire. J'aimerais bien, mais il faudrait que mon chéri m'aide. Or en ce moment, c'est pas qu'il va pas, mais c'est qu'il est... un petit peu beaucoup pris. Donc bon, après j'utilise la BB Go Matte, donc BB Crème Power 10 en 1 de chez Maybelline, toujours pareil, parce que comme ma BB Crème est un petit peu claire, et comme ceci, comme ma BB Crème est un petit peu claire, bah je la rehausse avec ça. Donc voilà. Sinon, quoi vous dire d'autre? Ouais, donc savoir quelle vidéo vous intéresse. J'ai la vidéo routeur que je dois tourner normalement bientôt de la chambre de ma fille. Je ne sais pas quand, je sais vous me le demandez, mais honnêtement je ne sais pas quand. Elle va se faire. Normalement mon papa devait peindre le lit à barreaux de ma fille en blanc, mais c'est toujours pas fait. Donc je ne sais pas quand il aura le temps de le faire. Donc bon. Voilà. Désolée si je regarde pas, je regarde la glace en face, ce qui n'est pas du tout facile. Donc voilà, honnêtement, je sais pas quand ça sera fait, donc je pense que je vais vous filmer la vidéo room tour avec son lit qu'elle a actuellement, tant pis.
Donc j'utilise toujours mon anti-cerne de chez Maybelline. Il n'a pas de teinte et puis de toute façon c'est la fin. Je m'en sers surtout pour finir. Et aussi parce que j'ai des grosses cernes en ce moment. Donc ouais, donc je sais pas quand il aura fait, donc je vais vous filmer le retour comme ça, tant pis. Tant pis, on va faire comme ça, et puis c'est tout. Hein. Sinon, à part la vidéo retour de ma fille, qu'est-ce qui vous intéresserait d'autre? À part mon retour make-up, qui... Ouais, je vais vous faire, mais qui sera pas du tout intéressant. Dans le retour caméra, j'ai l'impression d'avoir des méga cernes, ça rend pas du tout ce que ça devrait rendre. On va voir ce que ça donne. Hein. De toute façon, vous ne verrez jamais cette vidéo parce qu'elle ressemblerait à rien. Je ne sais pas. Là, ça. Ensuite, je vais mettre ma poudre que j'ai reçue dans une grosse boîte de Topi Crème. Donc, c'est poudre hydra-bronzante. Donc, comme ceci. Donc, je mélange. Ah oui, mais mes pinceaux sont pas là. Bon, on va faire pas avec ses pinceaux habituels, tant pis. Ouais, parce que mes pinceaux, je me sers tout le temps, sont au lavage. Donc moi, je poudre partout un petit peu. Ah, je vous ai pas dit, c'est un pinceau de chez Real Techniques, comme ça. Comme ça, c'est vrai, hein, c'est pas de la contrefaçon. Elles sont hyper bonnes, cette poudre. Ça c'est fait. Ensuite, je vais prendre ma liquide full, je sais pas quoi là, bref, avec le bronzer et tout. Donc, c'est parti, je vais essayer de venir en même temps. Donc, qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Bah, rien, je vois pas. Si, que vous êtes une communauté en or et qu'on est maintenant 28 abonnés, ce qui me fait énormément plaisir. Alors pour certains c'est pas peut-être pas grand chose, mais pour moi c'est énorme, donc je suis hyper hyper ravie. Donc voilà, franchement ça me fait grave grave plaisir. Vous ne pouviez pas me faire plus plaisir, donc voilà, je suis hyper contente, on est de plus en plus nombreux. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Ma fille pleure. Bah, ma fille pousse bien, j'ai souvent des questions par rapport à ça. Et ma fille pousse hyper bien, maintenant elle va avoir 7 mois dans quelques jours, donc le 25 septembre. Ce qui sera aussi nos 5 ans avec mon chéri. Donc elle pousse bien, elle fait 8,2 kg et 71 cm, donc elle est hyper hyper grande. Donc voilà, donc le principal c'est qu'elle aille bien. Ouais, elle pousse très bien, elle est de plus en plus éveillée. Franchement, c'est un bébé parfait, elle pleure rarement. Là, elle pleure parce que voilà, la fatigue, elle est un petit peu enrhumée, alors forcément, c'est pas très très agréable pour elle. Oui, donc là, je mets du sérum intensif croissance des cils de chez Opilash, comme ça. Donc ouais, elle est un petit peu malade, donc c'est pas marrant pour elle, donc bon, on va essayer de soigner ça. Sinon, quoi d'autre? Oui, donc je disais, excusez-moi, bah sinon quoi d'autre? Donc voilà, donc ma fille pousse bien. Mes vidéos, j'en suis hyper ravie. Ça me fait toujours, toujours, toujours autant plaisir de les tourner. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. D'où là que je suis toujours aussi heureuse de les faire. Donc voilà. Aujourd'hui, on va se maquiller avec la chocolate bar, j'ai envie. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bah, écoutez, je ne sais pas. Pour vous dire, je ne sais pas moi. À part que.
En ce moment, l'hiver revient et que ça me déprime. Non, mais honnêtement, je suis. Ouais, parce que je m'équipe pas sans ça d'habitude. Ouais, l'hiver revient, c'est déprimant. Honnêtement, c'est ça. Ça casse le moral. On a eu hier des grands orages, des sacrées rafales de vent, et ça m'a couché plusieurs arbres dans le jardin. Donc, le chéri est content ce week-end de s'occuper de ça. On avait prévu un peu de se promener, bah, ça va être foutu. Mais bon. Donc voilà. Quoi d'autre? Bah sinon, je sais pas quoi vous dire moi. Je ne sais pas. Sinon je ne sais pas quoi vous dire, à part que vous suivez mon make-up qui en retour caméra ne donne absolument rien. Donc comme je suis pas terrible, je ne sais pas ce que ça va donner. Ouais, quoi vous dire, je ne sais pas moi. Ah oui, je voulais savoir si un ask vous intéresserait. Si vous avez des questions à poser sur moi ou. Je me suis dit que ce serait plus intéressant. Donc je voulais savoir si un ask ouais, vous intéresserait. Donc si c'est le cas, dites-le moi. Et ask, n'importe quoi, je dis n'importe quoi. Une FAQ. Donc je me suis maquillée avec je sais pas si c'est celui-ci et celui-ci. Voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Après je prends mon lash bash de chez Essence que j'ai découvert grâce à Je ne suis pas jolie de la chaîne. Je ne suis pas jolie, hein, de Léa. Voilà, que j'adore, je peux plus en passer. Non, bah sinon, ouais, donc il y a eu un énorme rush chez moi, donc bon. C'était prévu, mais bon. C'est un petit peu embêtant quand même. Ma fille dormait à ce moment-là, elle n'a absolument rien entendu. Donc tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Je suis en train de vous faire Ah si, je suis en train de vous faire une vidéo DIY. Sur mes photos de vacances, qu'est-ce que j'en fais une fois que j'ai imprimé mes photos de vacances. Donc, 2 secondes, je continue avec le Too Faced Better Than the Sex, le mascara. Donc, je suis en train de vous prévoir un DIY, malheureusement, enfin, c'est pas malheureusement, j'espère que ça va rendre quelque chose de bien, parce que c'est pas facile à tourner toute seule. Donc là, j'ai que quelques scènes, il me reste encore, enfin, quelques plans, il me reste encore quelques plans à prendre. Donc, honnêtement, je sais pas quand il sortira. Ce DIY, je ne peux rien vous promettre. Mais bon. Aussi, je voulais vous faire une vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Une vidéo sur là où je trouve mes vêtements. Sachant que, bon, ça se voit en vidéo, mais moi je le sais aussi. Hein, que je suis ronde. Et donc, du coup, j'ai des sites internet ou des boutiques à aller voir. Où j'achète pas mal de vêtements. Donc. Si les rondes ou même pas les rondes, n'importe qui ça intéresse, dites-moi ça en commentaire si vous voulez que je fasse cette vidéo-là. Voilà, mes yeux, je sais pas si vous voyez bien, on ne voit rien, c'est magnifique. Sais pas si vous voyez mieux. Voilà, je vous repose sans tout faire tomber. Donc voilà, donc dites-moi si ça vous plairait. C'est une coiffure de merde aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Donc dites-moi si ça vous plairait, ouais. Et puis voilà. Qu'est-ce que je vais mettre en rougeur? La RBO? Non. Non. Donc ouais, donc je pourrais vous faire cette vidéo-là. On va mettre celui-là. Allez. C'est parti pour de la couleur.
Donc, ouais. Donc, j'utilise le Diesel Matte de chez MAC. Enfin, de chez MAC. L'Indel Express de la marque MAC. Alors, niveau rouge à lèvres. Je vous ai pas trop dit ce que j'en pensais dans ma vidéo AliExpress. Excusez-moi, je suis malade, ça ressort hyper flash. Je vous ai pas dit, parce que j'ai pas encore eu le temps de tester quand je vous ai tourné cette vidéo-là. Mais je suis assez déçue des imitations MAC parce qu'ils sont pas assez intenses. Comme vous le mettez là, voilà, il ressort hyper bien. Alors, vous allez pas le voir. Alors que sur les lèvres, c'est pas du tout ça. Déjà il a fini glowy un peu mais pas du tout mat. Enfin bref. Voilà. Donc voilà, moi j'ai terminé mon make-up. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui, j'avais fait ma commande Sephora, je sais pas si vous vous rappelez, avec les produits cliniques, pardon, comme ceci. Excusez-moi, je vais pas vous faire une vidéo pour vous dire ce que j'en pense parce que honnêtement, c'est un gros flop. Je me sers uniquement, là je l'ai pas sur moi, mais du savon nettoyant visage que j'utilise pour me démaquiller, qui est génial pour me démaquiller et qui nettoie super bien la peau. Sinon, on avait la lotion clarifiante comme ceci, mais alors elle m'arrache la peau, elle me fait hyper mal. Et la crème, l'émulsion hydratante tellement différente, très sèche à mixte. Comment vous dire que c'est de la grosse daube, elle est nulle, elle colle, donc ça ne m'en servira pas. Ça j'essaye de m'en servir mais vous voyez il reste encore beaucoup. Donc du coup j'évite de faire sur la zone, je fais sur la zone où je sens que ça va pas me faire mal, mais bon, enfin voilà. Quoi vous dire d'autre? Donc ouais, donc ça non, je rachèterai pas les produits cliniques, si à part le savon. Ça, le savon, ça par contre je vais le racheter. Oui, j'ai un sourcil plus court que l'autre, celui-ci plus court que l'autre, je sais. Je n'arrive pas à le faire repousser, ça m'énerve. Et donc du coup... Ouais, il manque juste ça. Donc du coup, donc c'est un crayon sourcil. Donc du coup voilà, donc je rachèterai juste ce savon, je suis un petit peu déçue. Ah si, ce que j'ai d'autre à vous dire, j'attends, donc j'ai changé de téléphone, j'ai le Samsung S6, donc comme ceci, voilà, un message, comme ceci, et j'adore, franchement je l'ai changé, il est hyper bien, j'avais le Wiko Rainbow avant, je sais pas si vous connaissez, bon il était bien, hein, bien ça, non mais voilà. Et donc si vous voulez un tag qu'il y a sur le portable, je peux vous la faire. Mais bon, je sais pas si ça vous intéresserait. Donc du coup, il y a une vidéo qui va arriver bientôt de mes coques AliExpress. J'en ai déjà reçu une comme ceci. Donc je vais vous faire, j'en ai 9 au total qui vont encore arriver. Donc je vous ferai une vidéo sur mes coques de téléphone qui viennent de chez AliExpress. Il n'y en a qu'une qui vient de chez Cdiscount. Donc voilà, si pour terminer je vais me mettre du parfum, donc je termine, c'est le Amour Amour de chez Cacharel, il reste plus grand chose mais j'essaye de le terminer. Voilà, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre, j'avais ces produits là que j'ai reçu dans une glossy box il y a longtemps. Donc ça c'est le truc Chikératine Skill Fusion, donc comme ceci. Et là c'est le Black Speed Trial de chez Kardashian Beauty.
Mais je ne sais pas quoi en faire. Donc si vous avez des idées, dites-le moi en commentaire de savoir comment on s'en sert parce que je n'en sais absolument rien. Voilà les filles, je vais vous laisser parce que de toute façon j'ai des plus de batterie et je vous retrouve très vite dans une toute nouvelle vidéo. Bye bye!